Salam à tous, bienvenue sur notre chaîne Suspense Factory. On espère que vous allez bien et que votre journée a été productive. Quant à nous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle histoire. Alors sans plus attendre, on vous laisse vous installer confortablement. Petite lumière tamisée et silence, ça commence. Ce soir, l'histoire sombre de Fairouz. Fairouz, 48 ans, était une belle femme originaire du Maghreb, qui avait d'abord émigré en Espagne avec son mari, et ensuite en France. Puis c'est en 2014 qu'elle retourna habiter au Maghreb, car la mère de son mari était malade. Pour Fairouz, qui était une femme de principe, il était alors évident qu'elle devait rentrer dans son pays et répondre à l'appel de sa belle-mère. C'est alors que, sans plus attendre, ils ont tout simplement plié bagages, ont pris un nouvel appartement et un nouveau départ. À cette époque, Fairouz est une femme sahiha, comme on dit. Elle est en bonne santé, bien portante. Elle prend soin d'elle. Elle aime son mari et cet amour est réciproque. Ils sont bien ensemble. Cet amour leur va bien. Mais cela dérange. Le mari de Fairouz ne lui refuse rien. Elle dispose de la carte comme elle le souhaite. Elle décore sa maison avec classe et finesse. Elle sait recevoir Fairouz, la famille, les amis, et elle reçoit avec prestance. Mais c'est alors qu'en 2014, la même année, que tout lui sourit, mais que tout va basculer. Et Fairouz va vivre alors un véritable calvaire. Elle commence à tomber extrêmement malade. Elle qui avait bon appétit n'arrive plus à manger et se met à rendre tous ses repas un par un. Elle ne peut plus ranger sa maison. Chaque soir, elle se couche avec mille espérances pour le lendemain. Puis arrivée au lendemain, impossible de mettre un pied devant l'autre, ne serait-ce que pour aller jusqu'à la salle de bain et se rafraîchir. Tout se transforme alors en calvaire pour notre Fairouz. Le mal s'installe doucement, chaque jour, chaque minute, chaque instant, comme une bouffée de charbon qu'elle inhale sans le savoir et qui va la noircir jusque dans ses entrailles. Au début, elle ne fait pas attention. Non, au début, personne ne fait attention. C'est alors qu'elle va tellement maigrir et pâlir du visage qu'elle commence à avoir un teint blafard. Elle est cernée et elle a perdu de la masse corporelle ainsi que des cheveux. Il n'y a pas un médecin qu'elle n'a pas consulté. Mais sa guérison, elle ne la trouvera pas dans la médecine, ni chez les guérisseurs. Non. Fairouz va être sauvée de ses tourments par l'immense miséricorde d'Allah, comme d'habitude, me direz-vous. On retrouve en effet une sorcellerie accrochée à sa photo dans un des cimetières du coin. Vous ne devinerez jamais qui lui a fait cela. Si, vous devinez? Vraiment? Les proches, me dites-vous? Eh bien oui, cher ami, sa meilleure amie. Mais commençons depuis le début, si vous le voulez bien. Fairouz est en Espagne avec son mari et ils ne se sont pas croisés les bras. Et ils ont travaillé et durement pour une entreprise. Et après de longues années de travail, ça a payé. Une relation de confiance s'était installée entre le couple et leur patron. C'est alors que celui-ci offrit un poste de responsabilité au couple, mais en France. Il lui fallait des gens de confiance et il savait que Fairouz et son mari veilleraient sur son entreprise. Ils ont donc encore travaillé durement et épargné pour les vieux jours. C'est alors que la belle-mère a eu besoin d'eux et que le retour se fut.
Mais voyez-vous, une fois arrivés au pays, certaines personnes proches d'eux n'en avaient qu'après eux, qu'après leur réussite et leur argent, leur place. Aucune compassion alors pour eux. Les gens, comme l'ami de Fayrouz, demandaient des choses toujours plus étonnantes. Quand Fayrouz pouvait, c'était la meilleure des copines. Mais quand elle ne pouvait pas, ou qu'elle objectait, alors elle avait droit à une avalanche de critiques. Avant que Fayrouz ne tombe malade, bien des événements eurent lieu. Mais nous allons en parler. Donc Fayrouz tomba malade. Et tout naturellement, elle avait décidé de se rendre en France après avoir épuisé un par un ses cartes au pays. Aucune médecine, aucun médecin n'avait pu poser de diagnostic. Personne ne savait de quoi souffrait cette pauvre femme. Donc elle poursuivit sa quête de la médecine et des médecins en France. Amaigrie, pâle, souffrante, les bras tremblants. Elle qui n'avait jamais eu de problème comme cela, elle avait à présent, carrément, un œil qui regardait dans une autre direction. Le problème, ophtalmo, rien à signaler. Neuro, rien à signaler. IRM, scanner, prise de sang en tout genre, rien à signaler. Rien de rien, cher ami. À l'annonce des médecins qui pensaient au départ à une éventuelle maladie rare, le sol s'est dérobé sous ses pieds. Nous sommes désolés, madame, mais vous restez un mystère pour nous. Fayrouz retourna donc au pays, et au pays justement, sa copine Zoubeïda l'attendait. Elle semblait très investie, et elle attendait son retour avec impatience. Fayrouz n'aurait jamais imaginé que cette sœur, cette amie, aurait pu l'attendre ainsi. Fayrouz n'est néanmoins pas dupe, car après tant de déceptions et aucun diagnostic, aucune réponse, ce mystérieux mal qui grandissait en elle lui rappelait quand même qu'elle devait peut-être se méfier. C'est alors qu'elle se mit à douter de ce beau monde qui l'entourait. Et en fermant les yeux, elle revoyait toutes ces discussions et tous ces sourires, toutes ces personnes en qui elle avait confiance et qui soudain ne semblaient qu'être qu'un vieux souvenir. Certaines fois envahie par le doute, elle se dit: ah ya Fayrouz, a'oudou billahi minash shaitan ar-rajim. Mais non, je dois sûrement avoir une maladie qui met du temps à se déclarer. J'en souffre et c'est tout, je ne vais pas accuser les gens. En effet, il ne faut pas accuser les gens, mais il faut faire les causes afin de se soigner. Et les causes qui sont permises, pas les causes qui ne le sont pas. Nous parlons bien sûr ici de la ruqya shar'iyya et nous ne cesserons, aux grandes dames de ceux qui n'aiment pas l'entendre, de le rappeler. Alors, en commun accord avec sa famille, elle commence alors une série de traitements et de ruqya. À présent, Fayrouz ne parle plus correctement. Sa bouche bouge dans tous les sens. Elle semble avoir du mal à articuler. Mais elle se fait néanmoins comprendre, surtout quand elle explique au ruqat qu'elle est dans cet état, mais que la médecine n'a rien trouvé. Et en brandissant alors tous ses dossiers, ses scanners, ses examens, les ruqat les récupèrent, les observent, et eux sont unanimes. Fayrouz est ensorcelée. Tous les signes sont là. Elle souffre d'une maladie spirituelle. Elle n'a aucune maladie selon eux. Une maladie biologique, bien sûr. Dès qu'elle rentre, elle raconte tout à son amie. C'est alors que son amie se met à pleurer des larmes de crocodile, feintant ainsi une amitié sincère. Et un autre jour,
Après une ruqya, Fayrouz se sent mal, très mal, très fatiguée, ballonnée. Alors oui, elle commence à le penser. Elle a peut-être mangé de la sorcellerie, mais elle n'est pas au bout de ses surprises. Sa réaction est à la limite de la psychiatrie. Elle a mal un peu partout, se sent oppressée, angoissée. Personne ne s'imagine alors la découverte qu'un groupe de nettoyeurs de cimetières va faire plus tard. Et les mois passent. Son état est toujours pareil. Un matin, alors qu'elle végète comme un légume, elle entend son fils hurler. Effrayée, elle essaie de l'appeler. Hatim, qu'est-ce qu'il se passe? Hatim! Hatim, mon fils, qu'est-ce qu'il se passe? Et lui, choqué, interloqué par sa découverte, il crie « Maman! Maman, regarde! Regarde ce qu'ils ont trouvé, maman, c'est ta photo! Yamoui, c'est ta photo! J'en tremble! Regarde, Yamoui, ils t'ont ensorcelé, ces diables! Maman, ils t'ont ensorcelé! Et ils ont jeté leur sort dans une tombe au cimetière de Sidi Youssef. » Et oui, plein de tombes ont plein de secrets. Et Hatim dit, « Regarde maman, et là, chère amie, elle découvre une de ses photos d'identité. Vous savez, ce genre de petites photos que tout le monde a dans son portefeuille. Et le portefeuille se trouve où? Dans votre sac. Et qui donc peut approcher votre sac? Eh bien, les gens qui y ont accès. Alors, lorsqu'elle regarde la photo, c'est bien elle. Il n'y a aucun doute. Et écoutez bien, vous allez frissonner. Cette photo est tenue par un cadenas au niveau de sa tête, qui lui-même est entouré par une multitude de nœuds faits avec un fil de couture. Sur la photo, elle est seule et elle n'en croit pas ses yeux. C'est un choc pour elle. La vérité est là, devant ses yeux. Hatim alors prend le téléphone et en quelques minutes, toute la famille est au courant. C'est alors qu'une rumeur va se répandre dans les environs. Sayyida Fayrouz a été ensorcelée par quelqu'un qui est proche d'elle et qui a pu lui voler sa photo et qui a pu aussi lui faire manger une sorcellerie. Et cette rumeur se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde en parle. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Tout le monde est horrifié. Un soir, ça sonne à la porte. Ibrahim, le frère à Hatim, s'en va regarder dans le trou de la porte. Il y a là une mystérieuse femme qui porte une capuche. Quelqu'un qui veut se dissimuler. Il demande « Qui est-ce ?»« C'est Leila Halima. Ouvre, lui dit-elle. Dépêche-toi avant qu'on ne me voie. » Leila Halima, à cette heure-ci? Laissez-moi vous dire qui est Leila Halima. Leila Halima est une voisine. Elle est connue pour cuisiner dans les événements du coin. Aussi, il n'est pas rare de la voir derrière les fourneaux, dans les occasions, les mariages, les décès. Elle est partout. Elle entre et demande à voir Fayrouz. Il est tard. Mais Fayrouz n'a pas bougé de son fauteuil où elle séjourne toute la journée, malheureusement. C'est alors qu'en l'entendant, elle reconnaît sa voix et se redresse. Elle lui fait signe de venir. Craignant, bien sûr, qu'il ne soit arrivé malheur à quelqu'un. « Salam, 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 ça va ?» s'échange-t-elle. « Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci, Halima ?» On leur apporte un verre de thé et c'est alors que Halima commence son récit. « Ya Fayrouz, ya Fayrouz. » Oh, ma pauvre Fayrouz, tu es ensorcelée et nous savons tous qui t'a fait cela.
D'abord, pardonne-nous de t'avoir laissé souffrir tellement longtemps. Mais les circonstances ne nous permettaient pas de t'approcher de peur que nous soyons ensorcelés à notre tour. En te voyant souffrir, nous prîmes peur que cela ne nous frappe également. Ya Fayrouz, j'espère que tu me comprendras. Fayrouz est choquée. Elle attend la suite avec impatience. Je vais te dire, ya Fayrouz, je vais te dire qui t'a fait ça. Mais me croiras-tu, si seulement? Mais pourquoi je ne te croirais pas? Dit Fayrouz. Eh bien, reprend la Lahlima, parce que c'est toujours les plus proches qui peuvent nous atteindre. Parle, lui dit Fayrouz. C'est Zubeida qui t'a fait cela, ma pauvre Fayrouz. Lorsque ton fils a eu le bac, est-ce que tu te souviens qu'elle avait fait organiser un repas surprise pour te faire plaisir? Oui, ça n'était qu'en apparence. C'est moi qui ai venu cuisiner avec mes autres cuisinières. C'est alors que les yeux de Fayrouz débordèrent de larmes prises par un éclair de conscience. Oui, dit-elle, je me souviens. C'est alors que la Lahlima reprit. Ce jour-là, alors, nous étions en cuisine. Elle a pris une assiette dans laquelle elle a versé quelque chose en cachette. Mais nous l'avons vue, et nous l'avons vue comme nous te voyons. Et elle marmonnait, « Tu ne seras plus jamais un barrage pour personne. » Puis elle t'apporta ton assiette en t'embrassant et te félicitant pour ton fils. Sur le coup, nous n'avons pas vraiment compris ni su quoi faire. Et les mois qui suivirent, lorsqu'on a vu ce que tu subissais, c'est là que nous avons compris. Fayrouz pleurait, elle raconta à son tour à Halima son histoire avec Zubeida. Je comprends. Me voyant bien avec mon mari, Zubeida avait des vues sur mon beau-frère. Seulement lui attendait sur une femme qui lui avait plu. Et quand Zubeida a voulu m'en parler, je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Il est intéressé par une autre femme. Ne lui tourne pas autour, laisse-le. Laisse les choses se faire entre eux. C'est alors que Zubeida, renfrogné et vexé, me dit « Tu es quel genre de copine, toi, à me faire obstacle pour que ton beau-frère ne me revienne pas ?» Sur le coup, je n'avais pas prêté attention à sa réflexion. J'avais senti de la rancœur passagère, puis je me disais « Ça lui passera. » Et la Lahlima pleura avec Fayrouz et puis se retira discrètement. Les jours suivirent, Fayrouz appela Zubeida. « Viens, j'ai besoin de toi, lui dit-elle. Viens, c'est urgent. » Ce jour-là, Zubeida accourut, allait savoir pourquoi. On leur servit un verre de thé. Fayrouz resta longtemps dans un long silence, appréciant le thé et réfléchissant à quel genre de mots elle pourrait dire pour blesser comme avec des flèches le cœur de celle qui l'a tourmentée durant de longs mois. Mais c'est alors qu'elle revint à elle et elle lui dit simplement: « Tu sais, Zubeida, œil pour œil, dent pour dent, je ne te pardonne pas le mal que tu m'as fait, car je suis au courant. » C'est alors que Zubeida bondit de sa place et se mit dans une colère noire. Elle ne chercha même pas à objecter quoi que ce soit. Elle hurla d'un coup que c'est plutôt elle qui vécut une grande injustice et qu'elle ne lui avait causé qu'un tout petit tort comparé à ce que Fayrouz lui avait fait en retour. Il faut savoir dans cette histoire que Zubeida, subhanallah, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle s'est remariée, elle a divorcé, elle s'est remariée, elle a divorcé, etc. etc. Subhanallah,
elle a dû attribuer ça à Feyrouz, du fait qu'elle ne s'était pas mariée avec son beau-frère à l'époque. Il faut savoir que Feyrouz et Zubeyda se connaissent depuis très longtemps, depuis l'école. Enfin bref, Zubeyda lui dit, comme ça, texto, « Le retour est bien maigre, comparé à ce que toi tu m'as fait. Moi, ce que je t'ai fait, c'est rien. » C'est alors qu'elle fut jetée à la porte, vous vous imaginez bien. Et elle fut bannie de chez beaucoup de monde. Au jour d'aujourd'hui, Feyrouz se soigne encore. Mais son corps s'était quand même pas mal affaibli. Et elle prend encore ses traitements. Elle vit au mieux avec sa famille. Et elle essaye d'avancer. Voilà pour la triste histoire de Feyrouz, à qui nous souhaitons pleine guérison. Et voilà, chers amis, pour ce soir, on s'arrête là. C'est ainsi que se termine notre affaire. En espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater notre contenu. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, car sans tabou, ça nous fait toujours très, très, très plaisir. En attendant, néanmoins, ne sous-estimez pas le pouvoir des invocations. Vous n'êtes pas seul. À très vite pour une nouvelle histoire paranormale, une nouvelle affaire surprenante, un nouveau témoignage. À très vite, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.